Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite de mon let's play pardon de Pokémon version blanche. Alors vraiment je m'amuse comme un fou sur ce let's play. Je m'amuse vraiment. Aujourd'hui c'est épisode 4. Alors je me suis un peu entraînée à la crèche, mais j'ai pas monté de niveau. Alors je me souffle en premier et on va combattre les deux jumelles. Comme ça on va commencer directement par un combat. On va unir nos forces. Ok, si vous voulez. Le premier combat double du jeu. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'est le premier. Et c'est parti. Donc, l'écran bug. Oula. Mon écran... Enfin, vous aussi, ça va sûrement bugger, je pense. Mais l'écran pour dire d'attaquer bug un peu, j'ai l'impression. J'espère que ça va s'arrêter pour le prochain combat. Bon, j'espère, ouais. Alors, combo griffe. Et tu veux décharger. Si tu as le temps, est-ce que je vais me battre? Ouais, je vais l'avoir. Yes! Je vais l'avoir juste avec chauffe. Wouhou! Elle a le monde d'un niveau. Alors je sais plus quand il évolue. Ah, Nitro Charge. Ah, ça c'est super. Si je sais quand il évolue, Emdal évoluera au niveau 17. Donc je pense qu'il évoluera dans cet épisode. Oui, vous êtes fatigué. Ben allez dormir. En tout cas, l'écran n'a pas l'air de bugger. Ça c'est du même niveau. Alors je vais me recharger parce que... Bon, je vous dis, il y a un combat avec Chiren juste après. Et j'ai pas envie de... perdre en fait, donc même si j'ai pas perdu beaucoup de PV, je préfère me recharger. J'aurais pu utiliser une potion, mais... trop tard. Sur le centre Pokémon, c'est fait pour être gratuit, donc j'ai envie de dire, on peut se servir en illimité. Hein. Donc voilà, on va combattre ce Chiren. Donc le voilà. Stop! Nous avons tous les deux le badge triple, alors voyons qui est le plus fort. Comme ça. J'aime bien les raisons de Bianca et Chiren pour nous combattre. En fait, c'est juste qu'ils veulent être plus forts que moi, mais je suis plus fort qu'eux en fait. Il faut l'admettre. Boustillon, yes! Il envoie le bon Pokémon. Un des avantages du chou-fleur aussi. Mais je veux aussi enlever Chou-fleur parce que j'aurai un Pokémon électrique peut-être dans cet épisode, je sais plus. On va voir. Parce que le Pokémon est dans cette zone, mais ça dépend si j'arrive à l'attraper ou pas. Oh, une belle. Au pire, c'est pas trop grave. Pas très puissant non plus. Tac tac tac. Regarde. Coup critique quand même. Niveau 14. Chaque ripant. Bon, allez, on va entraîner encore un peu Emdal. Parce que, comme je vous l'ai dit, Chou-fleur ne reste pas dans notre équipe. Ah, mon petit Emdal, tu vas tous les détruire. Nitro charge. Non, je vais tester ma nouvelle attaque. Non, même si je sais ce que ça peut faire. Comme vous le voyez, c'est assez puissant. En plus, ça augmente notre vitesse. Ça, c'est pas mal du tout. Tac, tac, tac. Boum. La vitesse augmente. Ok. Pourquoi nous avons pourtant le même nombre de badges? Ouais, mais t'es moins fort. Ça t'apprendra les bonnes manières. Je vois, tu combats comme ça. Poussez-vous du large! La team plasma. C'était quoi ça? Bianca, où tu cours comme ça? Dites, ils sont partis par où? Par là. Et alors, pourquoi tu cours comme ça? Mais qu'est-ce qu'ils vont vite? Bianca, il est où mon Pokémon? T'inquiète pas, allez, pleure pas. Bianca, pour la énième fois, où cours-tu comme ça? Écoute-moi,
Les types qui viennent de passer ont volé le Pokémon de cette petite. Je ne pouvais pas le dire plus tôt. On va récupérer le Pokémon. Reste là et veille sur le... Hein ? Ah oui, Bianca reste là, par exemple. Et veille sur la fillette. Je vais pas me recharger, hein, je suis fou. Lui, Apple, tout est prêt, ton équipe est en pleine forme. Non, c'est pas grave. Il m'a presque rien enlevé. C'est parti pour un bon combat. Ces types sont tellement butés que c'est à demander s'ils comprennent le langage humain. Des enfants qui utilisent des Pokémon. N'importe quoi, vous y avez pensé à ces pauvres petites choses. Filez nouveaux Pokémon ou on les libérera de ceci de force. Team Plasma. Ah, par contre, les musiques sont vraiment superbes. Mais ça, je le dis à chaque épisode, mais vraiment, j'adore ces musiques. Ok, on va tester contre le griffe pour voir ce que ça fait. Ça lui enlève que l'inquiète et ça, c'est aléatoire. Parce que l'attaque contre le griffe, ça peut enlever jusqu'à. Ça peut en lui faire 5 fois de. 5 fois des attaques griffes en fait. Une petite patience, bon, c'est bon. Tac. Foliane finale était KO. Mais pourquoi? On est pourtant le bras armé de la justice. Apple, tu es incroyable. Bon, vous allez nous rendre le Pokémon de la petite maintenant. C'est pas la peine de lui rendre son Pokémon. Quelle poisse. Ces gens qui ne comprennent rien se mettent sur notre chemin. Vous êtes deux et nous aussi. Vous allez goûter à notre résolution et apprendre le sens de la justice. Encore vous? Depuis quand les voleurs de Pokémon défendent soi-disant la justice? Lui, Apple, c'est le moment de leur montrer notre légendaire sens de la synchronisation. Let's go to the two battle. Et bah, donc, on va en faire des duels pendant cet épisode. Alors, c'est sûr que là, on va faire synchronisation, on lance la Pokéball en même temps. Recharger un peu quand même. Ouais, ça dans ta face. Ouais, il attaque. Oh, il a peu de chance, il attaque par tout le monde. Ah, ça bug encore. Je crois. Mais tout à l'heure, ça avait pas bugué avec lui. Ah, je pense que ça bug à chaque fois qu'il y a un combat doux. C'est possible. Moi, je peux rien faire alors. Donc à chaque fois qu'il y aura un combat de vous aurez un vilain bug. Je suis désolé, c'est l'émulateur qui bug. Oui, je vous le cache pas, je suis sur l'émulateur. De toute façon, je pourrais pas filmer mes DS. Enfin si, je pourrais, mais ce serait de très mauvaise qualité. Et ben voilà, il est bien. Plasma! J'aime bien quand il crie Plasma comme ça, ça fait vraiment quelque chose. On capture les Pokémon des humains stupides pour les libérer de leur servitude. Depuis quand les petites frappes font la loi? Je n'ai pas entendu dire que le vol de Pokémon était justifiable, quelle qu'en soit la raison. Vous les dresseurs, vous faites souffrir vos Pokémon. En quoi les dresseurs feraient souffrir les Pokémon? On vous rend le Pokémon. Mais il va redevenir le jouet d'un humain, quel gâchis. Un jour ou l'autre, vous réaliserez la folie de vos actes. Ou pas. Les dresseurs utilisent les capacités de leurs Pokémon. Les Pokémon ont confiance en leurs dresseurs et leur obéissent. Je ne vois pas où est le gâchis ni en quoi les Pokémon seraient à plaindre. Bon, lui, Apple, je vais m'occuper de rendre le Pokémon à sa propriétaire. Ok, ok. Bon, on va pas s'attarder dans la grotte. Je m'entraînerai peut-être dedans, hors caméra, mais je crois qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. En tout cas, il n'y a rien d'important pour l'histoire. C'est juste une grotte comme ça pour s'entraîner. Alors, je regarde si j'ai des Pokéballs parce que je vais attraper certains Pokémon. Hey, bonjour! Alors, on va voir comment je vais entraîner. Ok, si tu veux. Il veut The Sylvian. Sylvain ou Sylvie? J'ai pas eu le temps de dire, mais c'est pas grave.
Ratatif niveau 9. Oh bah ça va. Charge. Ouais, ça va. Il m'attaque pas. Ok. KO. C'était rapide. Ah, il y a un autre Pokémon. Ok. Je parle trop vite. Notre charge, on va voir ce que ça lui fait. Pauvre Ponchio. Quand même, je crois que les Pokémon qui sont le plus horribles, c'est les Ponchio quand même. Parce que quand même, quand on y pense, enfin, c'est des... Enfin, oui. Je sais pas, c'est des chiens, donc... C'est comme si on avait... Ah tiens, ça sera un des Pokémon que je vais attraper aujourd'hui. Juste comme ça. C'est, ça sera mon Pokémon de vol. Oui, donc c'est comme si... Enfin, même... Hein? Attendez, il utilise enregistrement. Mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre aujourd'hui que les poichigeons, donc en gros les oiseaux, peuvent rugir. Waouh! Ils ont fumé à Nintendo! Ah, mais c'est pas possible! J'espère que ça. Oh, c'est même pas un Pokémon que je vais attraper, quoi. Un ratatif. Niveau 8. Eh bien, c'est du propre tout ça. Oui, donc j'ai enfin terminé. C'est quand même horrible quand on y pense de faire combattre des chiens. C'est comme si vous achetez un chiot à un chenil. Et là, vous dites, allez, attaque, vive, attaque. Et puis là, il y a un cochon qui arrive et qui brûle votre ponchio. Enfin, votre chien, quoi. Perso, ce sera un peu débile. Mais bon, faut pas réfléchir quand on joue à ce jeu. Lui a pas le truc, repousse. Ok, si tu veux. Allez, c'est parti. Salut, Bianca. Attends, je prends la Pokéball. Super potion, ok. Trop génial, Uapple. Toi et Chiren, vous avez réussi à retrouver le Pokémon. Je suis tellement contente d'être votre amie. Merci pour tout. Tiens, un cadeau pour te remercier. Je vais plutôt parler comme ça pour les filles. Je sais pas pourquoi. Et je trouve ça plus marrant. Oh, des soins ball. Les Pokémon que tu attrapes avec elles regagnent leur énergie. Bonjour, accompagne la petite. Alors à bientôt, Uapple. Salut. Elle me dit même pas au revoir, la petite. Ah là là. Je vais combattre le dresseur après. Mais pourquoi je tombe sur des chakripans? Enfin, pourquoi je tombe sur plein de Pokémon, sauf sur ceux que je vais. Ok, bon, alors. J'utilise charge. Flamme. Voilà. J'ai gagné 58 points d'expérience. Voilà, je vais te montrer ce que j'ai appris. Ok. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu as appris avec un Pokémon? Vas-y, Bébon. Ah, tiens, c'est l'autre Pokémon que je vais attraper. Donc, le Pokémon électrique. Qui est assez stylé, je trouve. D'ailleurs, c'est le seul où je n'ai pas de nom. Donc, surtout si vous avez des idées de surnom pour Zibibon, bah, vous me les dites. Parce que j'ai pas d'idée en fait. Je pourrais l'appeler Dagobert, mais c'est plus pour le chien, Dagobert. Comment on pourrait appeler Zibibon? Un truc avec l'électrique. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Oula. T'as eu peur, hein? Hein, t'as eu peur. Je vais me soigner un peu, si ça vous dérange pas. Je soigne pas Chou-Fleur, selon moi. Ok. Lol. Ah, un poisson. Mal, ouais, cool. Oui, je sais, jamais. Je suis un peu sexiste tout en Pokémon. J'aime bien avoir une équipe de garçons. Flamme.
J'espère que ça tue pas, évidemment ça la tue. Oh, pas possible. Ah, est-ce que ça sera un poids chigeon? Fuite, je vais faire fuite en plus. Tiens, il y a Tchiren. On va aller lui kioser. Apple, stop! Tu vois les herbes au sombre là-bas? C'est rare, mais il arrive qu'on y tombe sur deux Pokémon en même temps. Donc si tu marches dans les herbes sombres, fais bien attention. Bon, je vais meilleur. D'accord. Est-ce qu'il y aura un Zibilite? Un Zibibron, pardon. Zibilite, c'est l'évolution. Ah, Pochillon, niveau 10. Oui, 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 enfin. Alors, toi, tu me fais pas de coups critiques, Kemdal, sinon ça va mal aller. Oh non! Ça fait la moitié, ça veut dire que si j'en utilise une attaque, il va être KO. Chou-fleur! Chou-fleur, sauve-moi! Attendez, je vais faire une super ball. Juste pour tester, hein. Mais sinon, je vais peut-être utiliser. Oh, il m'a gaspillé une super ball! Il a même pas tourné! Bon, tant pis, on utilise chou-fleur. Hein. On utilise combo griffe. En espérant qu'il ne dise pas trop de coups. Voilà. Les oiseaux rugissent encore. Combo griffe. 3. 4. Non, ne fais pas un cinquième. Si Dan a fait un cinquième, il était KO. Allez, je peux l'attraper, je peux l'attraper, je peux l'attraper. Merde, c'est super efficace. Bon, allez, je peux l'attraper, je peux l'attraper. Pokéball. Pokéball, le KO. Alors, tac. 1, 2, 3, oui! Oh, oh. Ah, il rugit encore! C'est horrible! Vite! Une autre Pokéball! J'espère que ça marche! Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas du tout! Allez, allez! Yes! Oh, ouais! On a un poids chigeon! Ah, ces Pokémon vivent en ville, ils sont un peu farouches et se regroupent souvent dans les parcs et sur les places. Donnez un surnom. Alors oui, comme je vous l'ai dit, je donne des surnoms à des Pokémon. Et je vais l'appeler... Lucky. Clin d'œil à Lucky qui voulait absolument... Je lui ai proposé plusieurs Pokémon, je lui ai dit tu préférerais avoir quoi comme surnom avec un Pokémon? Je lui ai montré mon équipe et il a fait j'aime bien la poule. Alors que c'était pas du tout une poule. Mais il a fait je veux la poule. Du coup je lui ai mis la poule comme il l'appelle. Alors on va pas pouvoir tester poids chigeon parce qu'il est un peu épuisé. Faudrait que j'aille le recharger. Aïe. Meurs, petite chauve-souris. D'ailleurs il y a des Pokémon bizarres quand même dans cette génération. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fumé pour inventer une chauve-souris qui a un œil en forme de cœur et qui sourit? Ils sont allés chercher loin leur idée quand même. Bon, je te combattrai plus tard, toi. Est-ce que je peux t'éviter? Non, j'aimerais terminer l'épisode. Attendez, ça fait combien de temps? On se fait à peu près 19 minutes. Mes épisodes durent 20 minutes. Ouais, bon, un petit combat, ce sera pas de mal. Du coup, j'aurais pas réussi à attraper mon Pokémon. Je l'attraperai sûrement au début de l'épisode prochain. Ne vous inquiétez pas. Et on fera. Et du coup, j'entraînerai mes Pokémon aussi hors caméra, donc mon poids chigeon par exemple. Et je ferai. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on va faire la reine de Maillard, du coup. Du coup, pas mal de choses quand même. Je trouve qu'on avance bien dans le jeu. C'est surtout qu'il y a beaucoup de Pokémon dans cette région, ce qui est plutôt pas mal. Et il y a aussi beaucoup de... Bah, les villes sont très proches, donc en même temps, on enchaîne vite. Mais après, ce sera un peu plus compliqué. Il est KO. Là, c'était facile. Je crois que... Ah, je vais pouvoir évoluer les gens. Oh, yes! Bah, la moitié des choses que je voulais faire... Nodulite?
Flûte, c'est un Pokémon Rush, ça. Ah mince, j'avais pas songé à cette... Aïe. My god. Oh, pas possible. Ah non, non. Oh, c'est pas possible. Aïe. Oh mince. J'avais pas prévu cette éventualité. Le pire, c'est que si le combat il avait été terminé. Non. Aïe 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 aïe. Ouais, si le combat avait été terminé, j'aurais évolué. Et quand on évolue, on gagne une attaque combat. Oh, ça c'est pas pratique. Boum. Armure. Ah non, il augmente sa défense en plus. Oh, salaud. Ah non, ça c'est vraiment... Non, il me dit vite l'attaque. Non, ça c'est... Ah, j'aurais peut-être dû me recharger. Oh, tant pis. Hein. Osef. Coup critique. My god. Bon, bah, j'espère que Choufleur lui enlèvera assez de... Assez de PV. Aïe. Ah... Non, attends. Ah, c'est super efficace. Ah, quel crétin je fais. J'aurais eu plus facilement, en fait, si j'avais été... Choufleur. Ah! Quoi? Emdel évolue? Eh ben oui, les amis! Notre premier Pokémon est en train d'évoluer. Alors, c'est vraiment super. Donc, on a le droit à sa deuxième évolution. Félicitations! Emdel évolue en gros tissu. Ah, cogne, ça y est. Donc, attaque... comment ? Combat. Donc, on va rentrer dans la ville pour se soigner et pour découvrir un peu quel est le style et peut-être voir quel type est la reine, même si je le sais déjà. Tiens, voilà Turenne. Viens donc par ici. Je rêve ou c'est la musique du professeur Ketelaria ? Turenne est le professeur Ketelaria. Ensuite, si tu me permets, essaye donc ceci. Baie marron. Le baie marron tenu par un Pokémon lui permet de se réveiller. Comme je vais. Le champion de Maillard est spécialiste des Pokémon de type normal. Le type combat est idéal. Et oui, donc ça va être super pratique là d'avoir notre petit gros tichon qui a une attaque. Qui a une attaque puissante sur les attaques. Sur les Pokémon de type normal. Normaux. Et donc, c'est ici que nous allons nous quitter, je crois. Ah oui, je vais juste faire un truc. PC 2, 1, 1. Déposer Pokémon. On va déposer notre petit... Tac. Nous allons déposer notre petit chou-fleur parce qu'il ne nous est plus d'aucune utilité, malheureusement. Peut-être qu'on en aura besoin, je sais pas encore. En tout cas, bah, c'est Lucky, donc voilà, je vous le montre rapidement. Il a rugissement. Il rugit aussi. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !